Ah oui. On va s'asseoir. Nous sommes une fois de plus bénis par le Seigneur qui nous a encore visités. Il y a un autre fidèle qui s'est rajouté parmi nous. Amen. Voilà pourquoi nous sommes tellement, tellement heureux et dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je l'assiste tout le temps à l'église. Nous sommes dans une église qui est assise sous la doctrine de Jésus. C'est que ce n'est pas le baptême. Mais nous voulons tout simplement confier cet enfant entre les mains du Seigneur et nous voulons le bénir. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était né, il était présenté devant les sacrificateurs pour être béni. Amen. Parce que c'est un enfant qui vivait sur cette terre de péché, là où le diable règne. Et il n'y a que Dieu qui est capable de soutenir ses enfants. Parce qu'au moment voulu, le diable mettra sa main toujours. Parce qu'il y a des vents qui souffrent, et ces vents-là souffriront aussi dans la vie de cet enfant. Le protecteur de cet enfant, ce n'est ni le frère Christian, ni la sœur Gilda. Au bout d'un temps, nous dormons comme des morts, mais il n'y a que Dieu qui est capable de soutenir cet enfant. Et la Bible dit que l'enfant, c'est une bénédiction qui provient de Dieu. Le diable ne donne jamais des enfants. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Voilà, notre prière est que Dieu puisse doter cet enfant de l'intelligence et de la sagesse et qu'elle soit exactement une bénédiction pour ses foyers, pour ses couples. Lève ta main droite là où tu es. Nous allons faire des déclarations sur la vie de cet enfant. Dis à Dieu que Dieu bénisse cet enfant, que Dieu la soutienne, que Dieu l'accompagne, la nuit ou la journée, spirituellement ou physiquement, que Dieu seul soit le conducteur et le protecteur de cet enfant. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Israël, nous te rendons multiple action de grâce parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu avais dit dans le jardin qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu as béni ce couple que tu avais créé par l'institution du mariage. Et tu avais déclaré Seigneur en disant, allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et voilà, Elohim, Dieu te puissant, tu viens d'accomplir la parole. En tant qu'il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui sont en train de chercher des enfants. Et tu as fait grâce de donner un enfant encore de plus dans cette famille. Je viens de confier Elohim d'abord les parents, que cet enfant soit un lien, que cet enfant vit encore, Seigneur, ce couple, ensemble, dans l'amour profond et parfait. Que cet enfant, Seigneur, rajoute tout ce qui manquait dans ce couple. Oui, je le crois, parce que tu es capable de le faire. Bénis cet enfant, accorde-la l'intelligence et la sagesse, accorde à cet enfant la grandeur, la dimension, la puissance, la force, l'autorité et le pouvoir qu'elle grandisse dans la crainte et l'obéissance de la parole. Accorde à la Seigneur éternel l'intelligence et la sagesse. Afin qu'un jour, dans cette terre, Seigneur, de France, que les gens parlent de cet enfant, qu'elle émerge, qu'elle monte plus haut encore, et nous le confessons. Je me lève et je m'oppose pour que toute puissance qui viendra au Dieu, soit dans la famille de son père ou dans la famille de sa maman, qui cherchera à mettre la main sur sa vie. Je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-on ta main parce que tu es dit, bénis-la et protège-la. Je le crois parce qu'il est écrit tout ce que vous demanderez. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous savez dans ma peau. Alléluia. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Bien-aimé, c'est lui qui mérite. Il est écrit. Vous tous peuplés, battez les mains, poussez vers Dieu les cris de joie, car l'Éternel est très haut
Il est redoutable. Alléluia. Le redoutable, c'est le créateur. I'm not going to be able to do it.